Est-ce que je peux vous ennuyer un peu, mesdames? Parce qu'on fait le débrief de l'émission. Et je voulais voir comment ça s'était passé avec Laurent Ruquier. Mais très, très bien. On disait que nos actrices sont tellement bien qu'on va les mettre à l'œuvre beaucoup plus souvent parce qu'elles s'expriment mieux sur le film que nous. Et Yann Moix, on va l'embarquer avec nous d'ailleurs aussi. On va prendre Yann Moix et nos deux actrices et nous, on va partir en vacances. Et Léa Salamé pour le pitch. Mais est-ce qu'on a peur quand on vient ici en tant qu'actrice? La dernière fois, il avait été dur avec certaines actrices. Yann Moix, on prépare, on angoisse? Ah ouais, moi j'aime pas tellement ce genre de situation, mais là ça s'est très bien passé, donc je suis ravie, mais ouais, je suis arrivée au-delà. J'avais froid et en plus je tremblais de peur et de froid, donc c'était un peu... Moi j'ai une question, j'avais posé à Jérémy Régnier cette question par rapport aux frères d'Ardenne, de savoir lequel des deux était plus drôle que l'autre. Alors je le fais avec vous, laquelle des deux sœurs est plus drôle que l'autre? Terrible ça comme question. Alors en fait elles sont drôles de façon assez différente. Muriel le ferait peut-être pas forcément exprès, mais elle peut lancer des trucs hallucinants, mais très très touchants. Et Delphine d'être de façon un petit peu plus écrite, je dirais. Ouais, vous êtes drôles toutes les deux, ça va comme réponse? Ouais, c'est vrai, c'est ce qui est caractérisé, hyper drôle. Bon, maintenant on peut picoler, c'est fini, la promo est faite. Bonne soirée cannoise. Merci.